السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله تعالى سفابيا لنو كي جوجي سي بخمية جمعة دانو ديني مواجي كانوضي إسلاميك دانو موزو الحجة نفيا دعوك الله جل وعلا الله تعالى يقسبت نو بريزانسي سي لمسجد اكي إن شاء الله توسيكي نو بابران جوجي كي الله دون مهم توفيق en premier mon capable mettre en pratique et tout dimoun ce qu'il a nous capable mettre en pratique inshallah quand nous gagne nous dit quand nous gagne l'islam et là par quelque chose qui a supériorité le ban des autres par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran tilka rasul faddalna ba'dahum ala ba'd qui est un ban rasoul qui fin est une supériorité le ban des autres comme ça même d'audin si nous gagne ban place et ban place c'est qui Allah pas content et ban place qui Allah bien content sa place là et ban place qui si un dimoun li fait un namaz dans sa ban place ta li gagne sawab 100 000 sawab. Comme ça même, si vous demandez à des gens, mais qui va payer la nuit ce qu'il y a? Des gens qui ont dit, mais payer la nuit ce qu'il y a, c'est 10 derniers, la nuit dans le mois, Ramadan. Parce qu'il y a seulement la nuit là, nous avons la nuit qui appelle Laylatul Qadr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui aime la nuit de Laylatul Qadr, Laylatul Qadr est créée min al-fisha. Les plus meilleurs qui mille mois. Si vous demandez à l'autre du monde, mais ça devait être moi concernant la nuit. Mais qui m'a le meilleur jour, c'est qui est là? Écoute ça bien, mon frère. Qui m'a le meilleur jour, c'est qui est là dans le calendrier islamique? Ça, 12 mois, c'est qui est là? Moi, là, bien terminé là. Dans ce mois-là, qui m'a le meilleur jour est là? Allah subhanahu wa ta'ala dit le Quran, wal fadr, wal layalin ashr. Sa ban meilleur jour ce qui est là, c'est sa ban jour ce qui nous vit là. C'est sa 10 premier jour qui nous appelle jour de Zulhijja. The first 10 days. Sa premier 10 jours là, les plus meilleurs qui tout sa ban jour ce qui est là. Subhanallah. Et Allah Ta'ala fait choisir nous pour nous capables de vivre sa ban jour là afin qu'il nous capables de profiter avec sa ban jour là. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala ni rapporte ce hadith là, il dit qui peine à aucun jour qui ban bon action plus être aimé contre Allah subhanahu wa ta'ala excepté sa 10 premiers jours ce qui est là. Et dans notre hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit peine à ban plus grand jour auprès Allah subhanahu wa ta'ala excepté sa 10 premiers jours de Zulhijja. Alors dans sa ban jour là, profitez de faire tasbih تحليل تحميد فالتكبير ده زمان زو كي نو بي فيب لا جسكا ابن عمر avec حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنهما زمان صحابه لا زوج في عال ده بازا السوق زوج في عال ده بازا زوج في فالتكبير et nous connaissons bazar une place que Allah détestait sa place là. Ou imaginez une place pareille, ben sahaba qui allait faire un takbir là-bas, et ben les autres qui avaient été en train aussi faire un takbir. Imaginez ainsi mon frère, dans sa 10 zoula, qui quantité de takbir nous bisons faire. Dans sa 10 zoula, qui qualité, qui quantité de tasbih nous bisons faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, sur hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les sujabités gardent rosa dans 9 premiers jours de Zulhijja. Et Manoula m'a expliqué qu'il fait un finger de rosa dans sa manzoula. Parce que si un dimoun ne fait Coran, qu'il a fait Coran, il ne peut plus arrêter. Pas pour capable de dire 24-7. Si un dimoun, il peut faire namaz nafle, il peut faire tasbih, il ne peut plus arrêter. Mais si un dimoun, il garde rosa pendant sa net zoula, Manoula m'a dit qu'il peut rester dans l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala a causé Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'ichbegad rosa pendant sa 9 zoula. Et là-dedans, il y a un grand zou
qui nous connaît ça, Zoula, qui nous appelle Zou Arafat. Zou Arafat, si un djimoun, les gars de Rosa, ça Zoula, ça c'est digne. Si les gars de Rosa, ça Zoula, Allah Ta'ala efface souvent le péché précédent, l'année précédente, souvent le péché, ce qu'il est fait. Et l'année ensuite, souvent le péché, Allah Ta'ala finit, efface tout souvent le péché là. Ça c'est digne. Si un djimoun, les gars de Rosa, Zou Arafat. Et dans sa zoo là, dans sa van zoo, ce qui est venu là, nous avons un zoo qui nous appelle. Nous tout connaissons, c'est Bakri. Quand on nous dit Bakri, Odhiya, nous faisons Kurbani. Un djimoun, ce qui a l'intention de faire Kurbani. Un djimoun, ce qui a l'intention de faire Niyat pour faire Kurbani. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui sa djimoun là, il n'est pas tous dans le CV. Et le seul amour, c'est-à-dire sa djimouna qui n'est pas taille sur CV ni l'itaille sur zon. Si un djimoun y en a n'y a pour faire Kurbani, si un djimoun arrive, l'itaille sur CV, l'itaille sur zon, il commet un guna, il fait un péché, il vous besoin de faire tawba, il vous besoin de demander maghfirat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, comme Mamad Tidjaou, ce même passé nous explique ainsi qui concernant les animaux. Concernant adab, respect qui nous disait envers les animaux. Allah Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit Inna Allah rafiq. Que Allah subhanahu wa ta'ala est doux. Allah est tendre. Et Allah ta'ala est content. Banjimoun qui est dans la tendresse. Allah subhanahu wa ta'ala content. Banjimoun qui est doux. Dans surah Al-Nahl. Ayat numéro 3, Allah subhanahu wa ta'ala fait cause création les ciels concernant la terre. Et dans l'ayat numéro 4, Allah ta'ala dit Khalaqal insana min nutfa. Allah continue à dire Et ça, les animaux là, c'est Allah même qui crée eux. Ou al-an'am khalaqaha. Allah fin crée ça, les animaux là, et depuis ça, les animaux là, je ne suis pas capable de servir ça, les animaux là, pour réchauffer eux. Savants animaux là c'est une beauté et savants animaux là sont capables de servir comme une nourriture. Et Allah continue à dire qu'il y a des animaux là qui sont capables de servir des petites choses. Le Coran peut mentionner ça dans la surah An-Nahl. La surah numéro 6, ayat numéro 38, Allah Ta'ala dit Wa ma min dabbatin fil ard qui peina aucun animal le salatier là. N'a pas aucun oiseau qui peut envoler, excepté qui va la vivre comme un homme. Comment nous vivons comme un homme? Ça va les animaux là aussi, je vis comme un homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'est pas oublié, non, il est dans sa livre là, et ça va les animaux là, Allah ta'ala dit le Coran, ça va les animaux là, zou qayamat, je peux présent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans mon pays, nous savons les animaux là, parce que là nous devons vivre l'époque Kurbani, ça peut être ce qui nous amène à tout là, ou bien on peut amener à tout, mais imagine ces animaux là. Chaque fois que je vous dis les animaux, je vous généralise, je vous dis, mais on essaye de rappeler plus beaucoup ça peut être ce qui est là dans la cour. Et quand nous avons le Coran dans lui-même, combien de surah Allah vient mentionner dans le Coran que nous avons les animaux? Ça c'est où vous voyez? Ou travail pour faire la case, à étudier le Coran, à regarder le Coran, combien de sourates il y a dans le Coran, et la semaine prochaine, je vous pose une question là, je vous dis qu'il s'en est resté à faire ce travail là, c'est un homework pour ça. À regarder le Coran, combien de sourates il porte le nom des animaux. Et quand nous demandons à des gens, mais qui s'en a fait un rapport, plus beaucoup de hadiths. Et là, on aurait dit une divergence là. Sans qu'il me cite divergence là, dis-moi la réponse, c'est qu'il vous dit, qui s'en a capable de dire la réponse? Qui s'en a fait un rapport, plus beaucoup hadith? Qui sahabi fait un rapport, plus beaucoup hadith? C'est Hazrat Abu Huraira, radiallahu ta'ala, subhanallah. Abu Huraira, il finit le titre. Kounia, comment il vient ce titre là? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un jour il trouve Abu Huraira avec un t-shirt. Nabi Karim dit Ya Abu Harra,
يا أبا حرة أو بابا تشات أو بابا سات دبي زازولا لينجاي ساتي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. إلى مغديا إن الديفيرجنس لولا رسول صلى الله عليه وسلم ديا كاز فيني أنتي يا بانجيمون فيني أنتيري sa bénédiction c'est qui banna yena tout créature tant ça excepté djinn et insan, c'est-à-dire ça va des animaux c'est qui dans nous la coula, c'est pas un animal qui nous dit simple ça animal là il peut tendre ça va du monde qui en balatier là qui bénédiction je peux gagner dans qui souffrance je t'étais ça va des animaux là Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous sa qualité pouvoir là. يا رسول صلى الله عليه وسلم جاء الحديث لا تسب الديك نا با مالتريت ان كوك زانيمو نا با مالتريت سا زانيمو لا جيت بوتي الاسلام نا با مالتريت سا زانيمو لا باسكي كي فيا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سا زانيمو سا كوك لا لي لي بانجيمون بو فيا نماز غاماتين صلاه. Nous qui nous faisons, comment sentir sa coquille qui est malheureuse, lance-le au lit. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que je tente ces animaux-là santé et crier. Ça l'est là, refaver Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça l'est là, sa coquille-là, l'introuve falichetable est passée. Quand ces animaux-là peuvent crier grand matin, ou bien n'importe quand peut crier, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit profiter faire doua. Parce que ces animaux-là, ils trouvent un farishta qui peut passer. Et une madame, les bougains punition, les bougains l'enfer à cause d'un sat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur hadith chalidia, qui sa madame-là, les bougains punition à cause d'un sat. Parce qu'il attache sa sat-là, il n'y a pas de lui manger, pas de lui nager. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah t'a l'abou de lui l'enfer. Et quand nous sommes de l'autre côté, un monde a désir, il peut manger, il peut aller, il peut gagner soif. Il peut gagner soif, il trouve un lichien sur la langue en dehors, il dit mais ça lichien, ah, si capable de gagner soif, il prend ce soulier, il met ça dans le couille-là, il tient de l'eau dans sa soulier-là, il donne ses animaux-là pour boire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qui ça dit mouna, il peut gagner jannat par sa action, ce qu'il fait là. Sa action, ce qu'il donne, ça de l'eau-là. Mon sahaba dit à Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam à cause d'un lichien, il gagne jannat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit tous les animaux, c'est qu'il y a les foi dans les autres et la récompense là-dedans. Tous les animaux, c'est qu'il y a les foi dans les autres et la récompense là-dedans. Capable des animaux comme au guetri, mon gars green. Capable des animaux comme au guetri, l'imam. Oui, capable. Mais seulement mon frère connaît qui ces animaux-là et la récompense là-dedans. Quand on est de l'autre côté, un prostitué, il gagne. Jannat, à cause, il donne des animaux de l'eau pour boire. Qui s'en a fait nager bien avec ces animaux-là? Imam ça, Moutouane Majdi, non, c'est une prostituée. Sa madame-là, les bougains Jannat, à cause, il agit bien envers des animaux. Et là, comment nous tous nous bien faire Kourbani? Nous tous dans sa préparation pour faire Kourbani? Un sahabi il vient contre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ya Rasoul Allah comme moi n'a pas fait zaba moi n'a pas coupé ces animaux là moi j'ai pitié moi j'ai chagrin arrivé ça il n'y a rien chagrin mais avec Karim sallallahu alayhi wa sallam qui dit ya il dit à ce sahabi là in rahimtaha rahimakallah il dit pareil kouma toi tu as pitié pour ces animaux là Allah subhanahu wa ta'ala gagne pitié pour toi. Subhanallah. Et quand nous avons un droit, c'est qu'il nous a envie à des animaux. Qui nous besoin agir bien avec Banna. À tel point, Dieu nous montre nous quand nous pouvons faire ce zaba, quand nous pouvons tuer ces animaux-là, nous agir bien en lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنْ ذِبْحَا فَأَحْسِنُوا ذِبْحَا. Quand vous faites zaba à ces animaux-là, faites-le bien. Coupe les biens. Et comment nous rendons compte pendant 11 mois, nous disons aujourd'hui, pendant 11 mois, Bhaïla, l'histoire de Sofira et de son camion, jusqu'à arriver l'époque Kourbani,
nous trouve ça dit moulna les personnes bref. Alors la question que moi m'a envie poser là, si ça dit moulna, si ça bef là aller bouger dans camion ou bien comment aller pour faire les monter, comment aller pour faire les descendre, tout ça là ça dit moulna l'os responsabilité là. Et moi mon message à tous ceux qui ne croient pas, mettre aux conditions qui t'a offert ça y est mes animaux depuis il n'y a pas de Francis quand tu amènes mon lacage, tu amènes avec un adam. Tu amènes avec un respect. Parce qu'il allait de comprendre ces animaux-là, qui qualité des animaux ça. Tu amènes avec un adam, tu amènes avec un respect. Ibn Omar radiallahu ta'ala, il trouve des jeunes, il attache des animaux sur la patte, un oiseau sur la patte. Comment un oiseau là peut aller devant? Voilà un risque d'oiseau. Badina avec lui là. Comment aller devant, risser. Comment aller revenir, voilà le sivini, comment dire, puis suivre avec lui comme ça. Ibn Omar radiallahu ta'ala, il dit qu'il m'a dit que le Karim sallallahu alayhi wa sallam dit la'anallahu man fa'ala haza, qui malédiction Allah, le celui, c'est qui peut faire ces animaux-là souffrir. Comme mon frère n'a pas fait aucun des animaux souffrir. Même sa bête, c'est qu'il y en a dans la coula. Et deuxième droit, c'est qu'il y en a environ des animaux qui n'a pas donné un travail plus qu'ils sont capacités. Abdullah ibn Jafar radiallahu ta'ala nous dit un caravane rentre de Medina. Nabi Karim trouve sa man chameau, ce qui est là, les alcool, un chameau là-dedans, les prend sur la main, les met ça en bas ses oreilles. Nabi Karim prend sur la main, pose ça en bas ses oreilles. Qui fait? Parce qu'un chameau, quand il transpire en bas ses oreilles. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pose la question, man sahibu hada, man sahibu hada, pour qui ça n'a ces animaux-là? Un jeune garçon venu dire, ya Rasulallah, pour moi ces animaux-là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, est-ce qu'il ne t'a pas payé Allah concernant ces animaux-là? Lis sous ta responsabilité et ces animaux-là peuvent faire complainte avec moi qui te fait fatiguer. Pour nous compte, ce propriétaire n'a pas un droit fatigue ces animaux-là. Mais moi qui m'ai aidé à l'os. Si propriétaire des animaux n'a pas un droit fatigué, mais moi qui m'ai aidé. À tel point, nous n'avons pas un droit servir des animaux pour travailler ce qui n'est pas créé pour faire. Par exemple, dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, dans tous les deux, trouve ce hadith-là, un dimon y amène une vache. Et nous avons trouvé ça dans le passé à cause de mon pécité. Un dimon lui amène une vache, ce hadith-là trouve dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim. Lors de cela, ça dit mon il monte le vache là. Pareil comment, dit mon monte le cheval, le guide, un cheval. Alors ça dit mon là qu'il fait, il monte le sa vache là, c'est Bukhari, c'est Muslim, ce hadith ça, pas un hadith qui vous fait au dos, mais ça. Ce hadith là, c'est nous, sa vache là, les virer. Les causes avec ça dit mon c'est qu'il a dit là, les dialogues comme ça. Allah Ta'ala dit pas crée moi. Pour te montrer l'homme les deux. Il dit Allah Ta'ala fin crée moi pour qui je suis capable de travailler dans mon champ. Quand Nabi Karim raconte ça, mon sahaba dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, une vache peut causer. Je dis subhanallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit moi je suis un iman lola. Abu Bakr fini na iman lola, Omar fini na iman lola. Bana tena respect pour les animaux. N'a pas fait comme si dirait nous montrons ces animaux là, nous tient toute qualité photo ou bien les studier, nous fait toute qualité pose avec ces animaux là, on trouve ça dit moula, peut poser ça sur Facebook, bien envoyer photo get mo befta. Non, n'a pas fait man quelque chose pareil. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaît qui, si un djimoun nettoie les animaux sans raison, qui est pour n'en rien, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, de ces animaux-là, zou qayamat, ils peuvent venir vite. Ils peuvent dire, ya Allah, un tel fin tue moi sans aucune raison. Et on trouve moi la case, ce qu'il fait, je trouve un bébé, un animal, il va vous faire moi, dito, qui m'a fait 10 commentaires pour badiner avec lui, je casse un côté la patte, l'autre côté la patte, après qu'il m'a fait, je crase, dit bien. Arrivé. Mais seulement mon frère connaît qu'il est présent dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même, les animaux,
comme elle me trouve un lichien en bas de l'auto, mon petit frère, mon frère, une grosse, mon voix, elle lui connaît mon frère qui lui bouge, il bouge devant Allah subhanahu wa ta'ala, il bouge, qui s'est dit, mon petit battement coûte grosse. Et quand nous bédions, il concerne un lichien, là, une culture aussi qui, nous pouvons bien expliquer, nous pouvons bien dire, un musulman, il n'a pas un droit, soit un lichien dans la case. Ça, c'est clair, ça. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Jibril alayhi sallatu wa sallam, vint contre lui, il dit, ya Rasulallah, un tel jour, je vais venir tel l'air. Mais quand il attend, il n'est pas trop venu. Il n'est pas trop Jibril alayhi sallatu wa sallam, venu. Quand le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il trouve son lili, il trouve en bas lili, et là, un lichien, petit. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Aïcha, qu'est-ce que c'est ça? Oh Aïcha, qu'est-ce que c'est ça? Aïcha Siddiqa radiallahu ta'ala a dit, ya Rasulallah, vraiment, on n'a pas connu quand il est rentré. Alors, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vient chez les animaux là, quand Jibril sallallahu alayhi wa sallam vient, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Jibril, tu es chez moi de vous venir. Tel lien, mais tu n'as pas venu. Il dit, ya Rasulallah, à cause de sa lichien là de la case, à cause de ça, il ne va pas venir. Alors, loin de là, ou viens avec sa raison là, avec moi, avec sa idée là, qui te connaît sa lichien que toi là, mais sois moi la case. Loin de là. Allah n'est pas capable de mettre facilité dans une petite chose qui est haram pour soigner. Pas venir dire moi, mais les personnes, les personnes, comment dire, fais moi la case. Si on a envie, comment dire, de mettre sécurité même dans la case, lire à un Coran. L'IA va nous donner ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous donne nous. C'est ça la façon qui nous est capable de protéger nous la case. Et quand nous avons concernant bœuf, concernant les animaux, ce qui nous faire Kurbani, et là il y a beaucoup de monde qui Kurbani wajib l'oli, Kurbani, l'obligatoire l'oli, mais il vient avec cet argument là, il vient avec des raisons. Elle n'est capable de dire, mais tu connais. Mais moi, deux ans de cela, on finit faire Kurbani. Non. Quand même, deux ans de cela, quand même, un an de cela, on finit faire Kurbani. Si, ou est-ce la somme qui besoin, environ 30 000 dans la possession, ou besoin faire Kurbani. Ça, on a deux choses différentes concernant Zakat et Kurbani. Deux ibadats différents. Ça n'a pas mélangé ça des ibadats là. Et quand nous faisons Kurbani, ce qui nous vient mettre dans la tête, et là, du coup, nous connaissons qui pensait, qui dit, mais là, comment on est en Kurbani, sur l'esprit qu'on allait, il y a de la viande. Mais là, vous pouvez la viande, mais tu connais qui m'a fait, Non, ça, c'est pas l'objectif qui nous fait Kurbani. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Layyana l'Allahu luhumuha wa la dima'uha. Allah t'a dit que ça la vienne ce qui nous gagne là, elle n'a pas besoin ça la vienne là. Ça disant ce qui coulait là, elle n'a pas besoin ça disant là. Allah t'a dit, voilà qui y en a le haut de taqwa. C'est sa taqwa là qui Allah subhanahu wa ta'ala fait besoin avec nous. Ça la vienne là, au gars, la vienne nous recommander pour distribuer les de trois façons. Trois façons. Mais si on a envie de tout la viande pour gagner droit, on a envie de nos voisins, tout la viande, on a envie de nos familles, tout la viande, ça aussi on gagne droit. Mais ce qui Allah Ta'ala fait bizarre avec nous, c'est ça taqwa là. C'est ça qui est important. Et Imam Ghazali, radiallahu ta'ala, nous dit, ça taqwa là, qui taqwa ça? Pareil quand nous passe ça couteau là, l'eau, ça, ça l'imo là. Elle dit, mon li bisa pensé, oh Allah, pareil kouma, mon me fait un sabbat, ça, ça l'imo là. Demain, c'est dit, c'est l'islam, mais demande-moi qui me sacrifie mon la vie. Alors, mon bouffier dit, zis pour cause Allah subhanahu wa ta'ala. Mon fait un kurbani, zis pour faire Allah, t'as la plaisir. N'a pas pour faire, dis moun connaît, n'a pas pour montrer, dis moun qui te connaît, ça que l'année, moi, habitant, mais bête contre moi, bien qu'au sein qui me permet de bête, pour me mettre dans la cour. N'a pas fait Kurbani dans sa façon là. Nous pas pour atteindre ça qui nous appelle taqwa. Nous pas pour gagner ça taqwa là. Alors on fait un appel avec vous. Quand on fait un Kurbani, n'a pas fait un Kurbani pour montrer l'idée du monde. Faire Kurbani à cause de nous capables de gagner taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je prends 5 minutes encore. Je vous dis qu'on vous dit libre. Je prends 5 minutes encore pour terminer. Et quand on fait un Kurbani, un jour, on a pensé à cela, sa bête, ce qu'il y a là, ces animaux-là, qui sont animaux ça? C'est un tel animaux, c'est qu'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, litigé un autre pour faire Zabas aux garçons. Nous connaissons ça. Qui est arrivé, Allah avance aux enfants, il met des animaux dans sa place. À ce n'est qu'imagine un coup.
si depuis aujourd'hui 2015, si Allah ti vous donne nous ça, ibadat là vous faire que chaque enfant, chaque papa c'est qu'il a lui vini lui faire zaba ses enfants. Nek imagine un coup, est-ce que sa papa là, lui tu peux accepter ça du monde là, c'est que ses enfants, le camion les puis aller comme ça, est-ce qu'il peut accepter ou trouver un tralet du monde? Alors il y a sa camion là, nous pouvons dire lui, alors il y a sa camion là, il peut tromper, il peut aller, il peut faire toute qualité la musique, il peut aller, il peut sortir sa bête là. Si ses enfants tu peux là-dedans, est-ce qu'il peut accepter faire des affaires pareilles? Jamais. Alors imagine ça mon frère, parce qu'il s'abeuf là, on connaît qui qualité bête ça. Allah Ta'ala dit qu'il s'abeuf là, il est un symbole Allah ja. Il y a un symbole, il y a un demande symbole Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit, inna safa wal marwa min sha'a'ilillah. Qui safa marwa, lui représente un symbole Allah ta'ala. Alors, qui imagine une petite qualité Adam, respect, un djimoun, un apou safa marwa. Sa qualité respect là, il y en a. Mais sa qualité Adam là aussi, nous disons là, on vient ces animaux là, parce que ces animaux là, ils représentent symbole Allah subhanahu wa ta'ala. Et maqsad, et l'effet, c'est qui kurbani. Bizaïna le nous, chacun ce qu'il a, takarrub ilallah, qui nous approche nous-mêmes plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un djimoun capable de venir avec sa argument là, et d'ailleurs, il y a un djimoun qui cause dit comme ça, nous avons besoin de lui, et là, il venir, il dit, mais tu connais, musulman peut dépenser 300 millions, 350 millions dans kurbani. Voilà, il y a avec sa point là, qui si je prends sa casse là, je donne ça à un djimoun pauvre. Est-ce qu'il n'est pas tout bon? Oh mon frère, sa ibadat est dans l'objectif. Par exemple, si un djimoun se lige malade, ses oreilles ne sont pas capables de faire travail lige. Si les oreilles malades, lige ne sont pas capables de faire travail les oreilles. Sa quelque chose dans l'écho est dans sa fonction. Comme ça même, sa ibadat, ce qu'il y a, est dans sa fonction dans l'île. Sa kurbanina m'aurésia, ta karrub ilallah, pour faire nous approche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa djimoun, ce qui peut couper nos animaux. Sa boucher, ce qui peut couper nos animaux, connaît qui s'en a nous choisir pour couper ces animaux-là. Oui. Connaît qui s'en a nous choisir pour couper ces animaux-là. N'a pas choisi un djimoun qui n'a pas connu la porte masjid du tout. Juste de nous trouver le masjid. N'a pas à choisir sa qualité du monde là. N'a pas à choisir sa qualité du monde quand il vient couper bœuf ou trouve couteau dans son main, cigarette dans son bouche, il vient couper bœuf. Non. Sa qualité du monde là, il n'est pas capable de faire ces animaux là. Il n'est pas capable de faire un taquois à travers ces animaux là. Ça, c'est mal condition ça. Et nous bisons de lui, nous bisons appliquer lui. Parce qu'il y a du monde qui me dit, mais ça, il me dit, mais il pourrait être quoi, mais il ne peut pas être quoi. Chaque année, il m'a fait un coup de balai, mais pas dans aucun sens. Par exemple, il m'a dit, mais aujourd'hui, il a été un coup aussi, il m'a dit, mais pas dans aucun effet. Nous posons la question, est-ce qu'il te dit, lui, comme un bizarre? Nous posons la question pour Kurbani, est-ce qu'il te le fait comme un bizarre? Pareil comme un Azimoun qui a dit, vous gardez le bœuf, vous allez dire, mon bizarre, le bœuf qui est des ans, plus qu'il des ans, mais ça, tout ça là, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau ça, mon frère. Pourtant, Moussalman peut résoudre comme ça. Il t'a une donnée, peut résoudre comme ça. Oh, mon frère, c'est Hadith. Condition ça. Alors, si ça va une condition là, nous pas mettre avec ça une condition là, nous, Kurbani, pas accepter, mon frère. Alors, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala de nous tawfiq. Nous capables, faire Kurbani de meilleure façon, ce qui nous capable et aussi n'a pas fit couteau. Et nous explique encore la Zoubafrique là même, n'a pas fit couteau devant sa man animaux là. Parce qu'il y a un sahabi, tu veux faire cette action là, le mécanisme de l'Afala, qabla hada, est-ce que tu vas être capable de faire ça avant? Parce qu'ils avaient là, sa man animaux là, trouver qui va arriver. Alors, sa man quelque chose là aussi, capable de mouler lié. Et aussi, quand nous coupons ces animaux là, ça dit que vous coupez là, quand nous faisons un takbir, nous pouvons faire un takbir ensemble, capable. Arrivé, Dimoun là pour oublier, dire Bismillah. Oh mon frère, ça Dimoun, c'est qui? Concerné là, qui lui, chaque fois, lui pique ça Dimoun là, ça Dimoun, c'est qui parle de Jabala, qui lui dit à lui, dire Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar.
Alors nous bizarre dire sama quelque chose, bizarre faire sama quelque chose pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos qurbani et nous faire dua avec Allah ta'ala qui sabef ce qu'il y a dans la kula, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, faire sabef là, vine le moyen de transport pour nous quand nous sommes dans nos qabar. Ya Allah, faire sabef là, faire ces animaux là, vine le moyen de transport pour nous quand nous passons le col sirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mettre sincérité dans nos vannes, l'idée de ce qu'il nous veut faire pour qurbani. Et nous faire un doigt spécial pour surtout cet accident qui vient d'arriver, comme on le connaît bien, dans Masjid al-Haram, dans Makkatul Mukarrama, quand finena, les qui sont Hujjat al-Kiram ou bien Mandimou, ceux qui tiennent à l'intention de faire Hajj, Banafin Shahid, nous faire un doigt spécial pour Banna, capable finena Mandimou qui première fois peut faire Hajj. Capable na manjimun qui s'allait là tu veux faire ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, capable s'allait là tu na manjimun tu veux faire namaz, capable na manjimun tu veux galouman safa marwa. Alors nous faisons un doigt spécial pour sa manjimun là, que Allah subhanahu wa ta'ala donne balna jannatul firdaus, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la famille la patience, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous faisons un doigt Allah ta'ala envoie un farishta pour chaque shahid ce qu'il y en a, pour qu'il chaque année sa bonne farishta là fait un hajj pour sa bonne shahid là, et nous faisons doigt avec Allah ta'ala Allah donne nous même temps vie pour qu'il nous capable mettre en pratique tout ce qu'il nous faut dire, et inshallah il y en a des élans.